Au début, tout le monde, et notamment tous les élus, ont été très contre. Et puis ensuite, il y a eu une espèce de deuxième position. C'est celle à laquelle vous faites référence. Pourquoi est-ce que vous ne donneriez pas aux présidents de conseils départementaux le soin... Puisque ce sont entre eux qui gèrent les routes. Très bien. Et bien. Il se trouve que depuis plusieurs semaines, à chaque fois que je vois un président de conseil départemental, pas en public, en tête à tête, les yeux dans les yeux, je lui dis, est-ce que vous voulez vraiment que l'État dise, la vitesse c'est 80, mais si vous voulez, vous pouvez passer à 90. Et vous expliquerez pourquoi. À chaque fois, quand il m'en parle, les yeux dans les yeux, ils me disent, prenez votre décision. Peut-être on la critiquera, mais prenez-la. Et c'est normal.